Nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Je rappelle que nous sommes ensemble pendant tout ce salon de la Porte de Versailles et que sur notre plateau se succèdent les invités, les réseaux, les agents, les courtiers, les banquiers, les constructeurs également. Et donc, mon invité à présent, c'est Patrick Chappet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur d'un concept tout à fait novateur qui s'appelle gérerseul.com. Enfin, c'est le site internet, donc. Exact. Voilà, et en fait, c'est un outil de gestion locative en ligne. Alors, en quoi ça consiste ? À qui ça s'adresse, en fait, au départ ? Voilà, alors, gérerseul.com est le premier assistant de gestion en ligne qui permet aux propriétaires bailleurs de gérer eux-mêmes leurs biens immobiliers. Assistant de gestion en ligne, je précise, qui a été créé par un administrateur de biens, ce qui est très important parce que du coup, toute l'expérience et le savoir-faire de l'administrateur de biens servent aux propriétaires qui veulent gérer eux-mêmes leurs biens immobiliers tout seuls. Alors justement, Patrick, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née finalement cette idée de créer un outil de gestion locative ? Parce qu'au départ, vous êtes un professionnel chevronné de l'immobilier. Alors qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cet outil ? Oui, alors écoutez, déjà je voudrais juste faire un petit rappel, dire que aujourd'hui les administrateurs de biens, leur travail c'est de gérer les biens immobiliers pour des propriétaires et de s'occuper tout de A à Z, de mettre les moyens humains et moyens matériels en place pour que la gestion de leurs propriétaires et donc de leurs clients soit faite de la meilleure façon possible. L'assistant de gestion en ligne, lui, permet de mettre un outil qui permet aux propriétaires bailleurs de gérer eux-mêmes leurs biens en ayant tous les moyens matériels. Les moyens humains, bien évidemment, ils ne les ont pas. Ce sont eux-mêmes qui gèrent leurs biens. Voilà, donc ce sont deux prestations différentes qui répondent à des besoins différents. Tout à fait. Deux prestations extrêmement complémentaires qui ne s'adaptent pas du tout à la même clientèle. Alors, comment ça m'est venu, justement, cette idée m'est venue à l'idée ? On a, à force de rencontrer des propriétaires qui mettaient en location leurs biens et qui, derrière, nous confiaient, heureusement pour leur majorité, pour la grande majorité, leurs biens en gestion, on se rendait compte que certains d'entre eux préféraient, parce qu'ils avaient du temps, parce qu'économiquement ils préféraient, gérer eux-mêmes leurs biens. Simplement, ils le géraient sans avoir un cadre bien précis et malheureusement en ayant quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement bien fait pour qu'avoir un locataire derrière qui vous paye en temps et en heure, et c'est ce que recherche le propriétaire bailleur. Donc on a créé cet outil avec toute l'expérience qu'on avait, avec un système permanent de rappel, d'alerte email, qui permet à tous les propriétaires qui veulent gérer eux-mêmes leurs biens de le faire en toute tranquillité. Parce que finalement, quels sont les besoins essentiels du propriétaire bailleur ? Donc, vous venez de l'évoquer, besoin de se faire payer par son locataire en temps et en heure, mais est-ce qu'il y a d'autres besoins ? Bah, écoutez, oui, c'est extrêmement large. Aujourd'hui, le propriétaire bailleur, il a besoin de mettre en place un certain nombre d'étapes pour que son locataire le paye régulièrement et normalement tous les mois. Donc, voilà. Ces étapes, elles se font de la manière suivante, vous avez d'abord un avis d'échéance. Une fois que le locataire a payé, vous avez la quittance qui doit partir. S'il ne paye pas, vous avez éventuellement une première lettre de relance, ensuite une mise en recouvrement. Et tout ça, c'est mis en place automatiquement par des alertes email sur gérerseul.com. D'accord. Alors, quand je me connecte à gérerseul.com, comment ça se présente ? Quels sont les services auxquels j'ai droit ? Alors, c'est extrêmement simple. En 10 minutes, vous créez à la fois votre compte, la fiche de votre logement et la fiche du locataire. Donc, une fois que tout ça est créé, vous avez un tableau de bord qui vous permet tout simplement de voir votre locataire, voir s'il a payé les quittances qui sont parties, et donc éventuellement, malheureusement, s'il n'a pas payé, les lettres de relance et savoir exactement où vous en êtes. Ça vous permet également d'avoir un certain nombre d'informations comptables, c'est-à-dire pour votre déclaration de revenus fonciers, toutes les informations vous sont communiquées. Ça vous permet d'avoir votre révision de loyer automatique qui se fait via gérerseul.com, c'est important, donc vous n'avez aucun calcul à faire à titre personnel. La machine vous crée et vous fait exactement tous les calculs de A à Z. Et puis l'apurement des charges de copropriété. Donc ça, c'est le minimum. Après, je ne rentre même pas dans des détails extrêmement importants qui ne sont jamais faits par le propriétaire, ou en tout cas très rarement faits par les propriétaires quand ils gèrent eux-mêmes. Ce sont les obligations du locataire. Les obligations du locataire, c'est une fois par an, à la date anniversaire, lui demander si tout simplement il a souscrit à nouveau son assurance, sa multirisque habitation. Deuxièmement, si par exemple il a une chaudière à gaz, savoir s'il a son contrat d'entretien. Donc tout ça, automatiquement, ça vous est demandé par votre outil gérerseul.com qui, par une alerte email, vous demande si oui ou non ces informations vous ont été communiquées.
Ça, c'est quand même très malin tout cela, parce que j'imagine, surtout pour le propriétaire bailleur, il y a quand même des règles de fiscalité, des réglementations, la loi, et qu'il faut respecter, et puis on n'est pas toujours au courant de tout. Tout à fait, il a toutes les informations, à la fois juridiques et comptables, qui lui sont communiquées au fur et à mesure des étapes. D'accord. Quel type de formule vous proposez? Il y a plusieurs formules? Alors, ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que c'est un assistant de gestion en ligne, comme je le disais tout à l'heure, qui nécessite aucun moyen humain, c'est bien sûr beaucoup moins cher qu'un administrateur de biens, mais encore une fois, ce n'est pas du tout le même travail. Hein. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace absolument pas l'administrateur de biens, c'est complémentaire. Donc, fatalement, c'est beaucoup moins cher. Ça coûte 10 fois moins cher, à peu près, que le coût d'un administrateur professionnel, puisque vous avez des formules qui sont une formule mensuelle qui est de 9,90 € pour gérer votre bien, par bien immobilier, bien sûr. Si vous prenez une formule semestrielle, ça vous coûte 49,90 €. Et une formule annuelle, 89,90 €. Et nous allons mettre en place un système dans la prochaine version qui sort d'ici un mois, qui va être une formule gérée seule premium pour un abonnement annuel, qui permettra, en plus de tout ce qui est mis en place pour le propriétaire bailleur, de faire une authentification de ce locataire, donc vérification du dossier locataire, avec un appel employeur pour savoir si le locataire est un futur locataire sérieux. D'accord, cette formule coûtera combien là? 99,90 €, 10 € de plus que la formule traditionnelle. D'accord. Et alors j'imagine que si j'ai plusieurs biens en location à gérer, est-ce qu'il y a un tarif dégressif si je passe par votre outil? Alors vous avez raison, effectivement, ouais. L'outil permet d'abord de gérer de 1 à X appartements, voilà. Donc il n'y a absolument aucun problème. Tant autant qu'on veut, il n'y a absolument aucun souci. Vous les avez tous qui sont référencés sur votre tableau de bord au fur et à mesure. Là, il y a bien sûr des tarifs dégressifs qui varient à -5 ou -10% en fonction du nombre de logements que vous avez, mais ça je vous invite à aller directement sur le site pour voir... tous ces prix dégressifs. Voilà. Je précise également que le service est entièrement gratuit les 3 premiers mois plus le mois en cours, ce qui permet à tous les propriétaires de pouvoir essayer et de pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. On peut tester comme ça gratuitement. Le test est entièrement gratuit, mais je vous le signale, on est vite addict derrière, donc il faut le savoir, mais c'est une formule qui fonctionne très bien. Voilà, alors évidemment, petite question, est-ce que vous faites comme les opérateurs téléphoniques? Est-ce que quand on commence à s'engager, on ne peut plus s'en sortir après 24 mois, 36 mois? Alors absolument pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est une formule, d'abord, je vous le disais, entièrement gratuite les 3 premiers mois. Ensuite, vous payez comme vous le souhaitez, soit au mois, soit au semestre, soit à l'année. Et ensuite, vous renouvelez si vous avez envie de renouveler. Aujourd'hui, pour votre information, on a 100% de renouvellement. C'est-à-dire que tous les clients aujourd'hui qui sont sur gérerseul.com renouvellent leur abonnement. C'est intéressant. Alors, petite question comme ça, est-ce que je peux aussi gérer une SCI familiale via votre outil gérerseul.com? Alors, bien sûr, on peut gérer en nom propre et puis on peut gérer au travers d'une SCI familiale. Ça ne pose aucune difficulté. Les informations sont données à chaque fois sur le site. Je précise aussi qu'en cas d'incompréhension ou de souci, il y a une assistance téléphonique. D'accord. Qui vous permet... On peut quand même appeler quelqu'un. Vous avez quelqu'un au bout du fil. Répond. Vous avez quelqu'un à l'autre bout du fil qui vous donne tous les renseignements nécessaires. D'accord. Alors, on a bien compris les prestations que vous proposiez aux particuliers. Est-ce que vous offrez aussi des services aux professionnels de l'immobilier? Alors, je finirai sur les services aux particuliers, puis d'accord. Je vous donnerai après les services complémentaires pour les professionnels. Pour les particuliers, bien sûr, on offre tous les services liés à la garantie de loyer impayé. On travaille, bien sûr, avec une compagnie d'assurance qui... propose ce service-là. D'accord. Et pour la version qui va sortir, dans une nouvelle version de Gérer Seul qui va sortir dans un mois, nous mettrons en place un système pour les diagnostiqueurs, donc diagnostiqueurs qui sont installés dans toute la France et qui donc pourront faire les diagnostics de tous nos propriétaires qui souhaitent le faire. Également, autre service que l'on met en place, c'est le service justement des agences immobilières qui est en place d'ores et déjà sur le site. Et on a déjà 210 partenaires agents immobiliers installés sur tout le territoire français, qui permettent tout simplement, quand vous êtes à Paris, que vous avez un bien à Marseille et que votre locataire part, de vous adresser à une agence locale pour faire l'état des lieux ou pour le relouer. Donc nous avons des partenaires qui aujourd'hui nous suivent et ont compris le système qui permet pour eux de fidéliser une clientèle et d'avoir un outil complémentaire à celui de la gestion s'ils en font et sinon de la transaction immobilière. Et donc ça, effectivement, c'est très pratique. Comme vous le dites, si j'habite Paris, que mon locataire est à Marseille et que je ne peux pas forcément me déplacer, donc je peux quand même faire appel à un professionnel. Exactement. Si j'en ai besoin. Exactement. On vous indique à ce moment-là le ou les professionnels les plus proches de votre bien qui, à ce moment-là, se mettent en contact avec vous, se mettent en contact avec votre locataire et assurent une prestation qui, bien sûr, elle sera payante, ce qui est parfaitement légitime parce que, encore une fois, tout évidemment. Travail de professionnel qui est bien fait mérite salaire.
Voilà, donc vraiment, le message fort, c'est votre outil giresol.com, c'est complémentaire avec le travail des professionnels. Tout à fait, c'est complémentaire et je précise que ça permet en plus de fidéliser des clients qui, par préférence économique ou tout simplement parce qu'ils ont le temps, souhaitent gérer eux-mêmes leurs biens. Donc, vous demandent peut-être de le louer, vous demandent de faire l'état des lieux, mais après, veulent continuer à le gérer eux-mêmes. Mais ils repasseront par vous le jour où ils seront à nouveau en location ou à la vente. Bien, merci beaucoup Patrick Chappet, giresol.com, donc je rappelle, outil de gestion locative sur Internet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, et nous on se retrouve dans quelques instants pour de nouvelles interviews, de nouvelles tables rondes. À tout à l'heure.